Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoiCoolOMike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 10 de Fortnite saison 3 chapitre 3 qui seront disponibles à partir d'aujourd'hui 15h. Alors le premier défi va vous demander d'infliger des dégâts à 10 objets différents en une seule décharge du pistolet mitrailleur à charge. Donc tout d'abord pour réaliser ce défi il vous faudra le pistolet mitrailleur à charge qui est celui-ci. Vous pouvez le trouver un peu n'importe où sur la map, donc posé au sol comme ça et dans des coffres. Donc quand vous avez ce pistolet mitrailleur, ce que vous allez devoir faire c'est de rentrer dans une maison. Donc moi je vous conseille de rentrer dans celle-ci. Après il y a sûrement d'autres maisons de ce caractère-ci parce qu'en fait c'est une maison avec beaucoup d'objets à l'intérieur. Donc moi je vous montre la maison en question, c'est la maison qui est juste à côté de la cascade de la réalité, mais je suppose que vous pouvez le faire dans d'autres emplacements. Donc regardez ici, ça c'est un objet. Ok, le champignon c'est un objet, le truc là c'est un objet, les cartons c'est un objet, la table ici c'est un objet, le banc, le mur, le sol, les cartons, le tableau, tout ça c'est des objets. Ok, et ce que vous allez devoir faire, c'est de charger votre arme, comme ceci. Et quand vous allez lâcher votre arme, en fait, vous allez devoir faire une rotation sur votre vous-même avec votre visée, avec votre arme, pour toucher 10 objets au total. Donc là, regardez, je vais faire ça. Ta 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 ta. Là, j'ai touché, par exemple, j'ai même pas touché ça, donc ça va pas, mais j'ai touché la plante, la pierre, l'arbre, et c'est tout. Après, il y avait une autre plante. Ouais, j'ai touché 4-5 objets en un seul tir chargé, ok? Et vous, vous allez devoir en toucher 10. 10. C'est pour ça que je vous conseille d'aller dans une maison où il y a beaucoup d'objets. Vous calculez un peu les objets. Hein. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus le sol. Plus le sol là, ça fait 12. Plus le mur, ça fait 13. Avec peut-être le carton là, ça fait 14. Il y a facilement 14 objets devant moi. Donc moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement tirer de gauche à droite, comme ça, de droite à gauche, ok. Je vais tirer de droite à gauche et je vais essayer de viser le carton en même temps. Donc faites attention parce que quand vous allez lâcher l'objet, ça va, quand vous allez lâcher votre tir, ça va partir dans tous les sens, hein, votre arme. Donc hop, c'est parti, je lâche. Ah, là, je pense que j'ai même pas réussi parce que je n'ai pas touché le carton, j'ai touché la chaise, donc un objet, deux objets, parce qu'il y a le mur là. Plus le mur là, ça fait 3 objets. Le sol là, je ne l'ai pas touché. Le sol ici, je l'ai touché, ça fait 4 objets. Ça, je l'ai touché, ça fait 5 objets. Ouais, donc, je suis à 5 objets. Donc, ça va pas. Là, j'ai raté parce que j'ai pas assez fait de rotation assez rapidement. Okay, donc là, c'est pas grave. Je vais recommencer de l'autre côté. Ici, regardez, il y a un objet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc on va réessayer, hein. Je vais même m'accroupir. Et c'est parti, let's go. Donc là, franchement, j'ai détruit un objet, deux objets, trois objets là, le truc d'eau, quatre objets, le mur. J'ai cinq objets. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5 objets. Le mur là, je ne l'ai pas touché. Là, j'ai touché un truc. Ça fait 6, 7, 8, 9. En vrai, j'en ai 9. Mais j'ai détruit, regardez, il y avait des caisses. Enfin, il y avait une armoire avec des caisses. Ouais, il y avait un meuble avec des caisses de nourriture. Et ça m'a donné de la nourriture. Donc, je pense qu'il y en avait deux dessus, deux ou trois. Donc ça, je pense que c'est validé aussi. Hein, parce que j'ai cassé le socle qui contenait les caisses de bouffe, de nourriture. Donc, normalement, ça devrait être validé. Donc là, j'ai touché peut-être 12 objets au grand max, vraiment au grand max. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter une petite astuce qui pourrait fonctionner. Je ne suis pas sûr, attendez, je vais réfléchir. Alors si vraiment vous n'arrivez pas à faire le défi, j'ai trois nouvelles astuces pour vous. Normalement ça devrait peut-être plus vous aider. Donc là regardez, j'ai cassé tous les murs de
toute la maison. Comme ça me fait... Enfin voilà, il y a énormément d'objets autour de moi, donc j'ai juste à tourner autour de moi-même en entier chargé. Et là, je suis sûr que si je fais ça, je touche au moins 10 objets. Donc regardez, hop, je me mets ici et je vais commencer à tirer. Mais dès que je lâche, je fais un tour sur moi-même, hein, direct, hein, comme ça. Et là, c'est sûr que j'ai touché au moins 10 objets. Si je veux, je réessaye, mais je tire, je tourne sur moi-même encore plus rapidement. Tac, 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 tac. Donc vraiment, pour essayer de toucher un maximum d'objets, je pense que si vous avez le visu sur tous les objets que j'ai en face de moi, normalement, ça devrait valider votre défi. Si vraiment ça ne fonctionne toujours pas, j'ai un problème de ping, je sais pas pourquoi. Ça ne fonctionne vraiment toujours pas, vous créez une box. Donc il faudra aller en mode construction, donc en mode normal. Vous créez une box comme j'ai fait. Donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 murs. Et là vous vous mettez au milieu, vous chargez et ensuite vous faites le tour avec votre tourelle. Et normalement ça devrait toucher tout. Regardez, ça a touché. Toutes les constructions ont été touchées. Donc c'est parfait. Donc vous voyez toutes les constructions, leur manque des points de vie. Donc normalement, de cette façon-là, vous devriez réussir le défi. Si vraiment ça ne fonctionne pas non plus, ce que vous faites, c'est que vous détruisez toute la base d'un bâtiment. Vous laissez juste un seul mur, comme ceci. Donc vous détruisez la base avec un véhicule et un chasse-pierre. Vous détruisez le mur comme ça, comme ceci, en lui laissant quelques petits PV. Vous chargez votre arme, vous tirez. Et là, tout simplement, ça va détruire tout le bâtiment. Donc, peut-être que ça fonctionnera aussi de cette manière. Donc, voilà, vous avez vraiment plusieurs possibilités pour réaliser ce défi. Après, c'est à vous de voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Mais bon, en vrai, je pense qu'il y a au moins une des solutions, une des astuces que je vous ai citées dans cette vidéo qui devrait au moins fonctionner. Donc voilà, dès que vous aurez touché 10 objets avec votre pistolet mitrailleur à charge en une seule décharge, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander d'infliger des dégâts à un adversaire avec un fusil de tireur d'élite sans regarder dans le viseur. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un fusil tireur d'élite. Donc ces fusils-là se trouvent un peu n'importe où sur la map de Fortnite. Donc vous pouvez les trouver posés comme ça au sol et vous pouvez les trouver dans des coffres. Donc ce que vous allez devoir faire quand vous avez cette arme, c'est d'infliger des dégâts à un adversaire sans regarder dans le viseur. Donc voilà, imaginons il y a un adversaire devant moi. Et ben là, je vais devoir tirer sur l'adversaire sans viser en fait, sans regarder dans la lunette, parce que si je regarde dans la lunette, ça ne fonctionnera pas. Donc bien entendu, moi ce que je vous conseille, c'est de vous mettre accroupi pour avoir un meilleur shoot, une meilleure stabilité avec l'arme. Tirez pas trop rapidement, parce que sinon bah, ça augmentera la dispersion de balles. Donc vous tirez hop, 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 voilà, tranquillement. Et normalement, ça devrait pas être trop compliqué pour toucher un adversaire. Et vous allez devoir infliger 100 points de dégâts contre un adversaire sans regarder dans le viseur pour terminer le défi. Et très important, ce défi fonctionne sûrement avec les loups, les sangliers, les requins et les bots de Star Wars. Enfin, les gardes de Star Wars. Donc voilà, dès que vous aurez infligé 100 de dégâts à un adversaire avec... avec votre lunette, avec votre fusil tireur d'élite sans toucher, regarder dans le viseur, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts dans les 10 secondes après avoir fait une ruée avec un poisson zéro. Alors les poissons zéro, je ne sais pas si vous pouvez les pêcher, c'est possible, mais je ne suis pas sûr. Mais de toute façon, j'ai une autre solution pour vous si jamais, c'est de fouiller des glacières ou alors des machines à glaçons. Donc pour vous aider à trouver des glacières, je vous affiche une map avec tous les emplacements des glacières et des machines à glaçons de Fortnite saison 3, chapitre 3. Donc regardez, quand vous allez fouiller des glacières comme celle-ci, vous avez de grandes chances qu'elle vous donne un poisson en zéro. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fouiller toutes les glacières de ce lieu. Donc moi j'ai été ici parce qu'il y a énormément de glacières. Donc là je vais regarder, je vais vous montrer, hein. Il y en avait une en haut, il y en a une juste ici. Bon, d'abord on va prendre celle qui est à gauche, on va prendre celle-là, voilà. Ensuite il y en a une qui se trouve juste là, parfait. Donc là pour l'instant toujours pas de poisson zéro en vue. Bon, il y a une glacière juste là. Pas encore de poisson zéro. S'il faut, au pire des cas, je vais aller pêcher. Donc je vais prendre
le truc là, je vais aller pêcher comme ça. Si je pêche un poisson 0, ben on sera fixé. Ok, donc là, regardez, j'ai trouvé un poisson 0 en pêchant. Donc c'est parfait. Mais normalement, vous allez pouvoir aussi les trouver. En plus, c'est un poisson 0 Halloween quoi. Enfin, il avait la tête d'Halloween. Donc vous pouvez soit les pêcher ou soit les trouver dans des glacières ou des machines à glaçons. Ok. Donc là, ce que vous allez faire maintenant, c'est d'infliger des dégâts dans les 10 secondes après avoir fait une ruée avec le poisson 0. Donc là, je vais chercher un adversaire pour vous montrer ce que vous devez faire. Donc hop, là-bas, il y a un adversaire. Ils sont plus, sont deux, donc on va aller faire ça avec eux. Regardez, ah oui, très important, ça fonctionne avec le requin. Là-bas, il y a un requin. Ça fonctionne aussi avec les loups, le défi. Et ça fonctionne avec... les soldats de Star Wars. Donc voilà, n'hésitez pas à faire votre défi avec les loups, le requin ou autre pour avoir plus facile. Donc là, ce que vous allez faire, c'est manger votre poisson. Ensuite, vous allez devoir faire une ruée. Donc vous faites deux fois X et là, vous faites une petite ruée. Regardez, hop, ça c'est une ruée. Et ce que vous allez devoir faire ensuite, c'est faire la ruée et d'infliger des dégâts dans les 10 secondes après avoir fait votre ruée. Donc là, j'ai largement réussi. Hein. Donc là, vous faites votre ruée et ensuite vous faites dans les 10 secondes, vous infligez des dégâts à l'adversaire. Hop, voilà, là j'ai réussi aussi. Donc dès que vous aurez infligé 100 de dégâts, parce qu'il va falloir infliger 100 de dégâts avec votre, avec n'importe quelle arme aux adversaires. Donc dès que vous aurez infligé 100 de dégâts aux adversaires, avec, en faisant une ruée avec votre poisson 0, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de vous déplacer dans une bulle mobile en étant sur l'eau. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de venir ici à la bombe Bosch, dans la tête du nounours, donc juste ici. Et à cet emplacement là, en fait, il y aura des bulles mobiles. Donc vous prenez la bulle mobile et ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous déplacer sur l'eau. Donc tranquillement, hein. Vous allez vers le ruisseau qui est juste là-bas. Et vous allez tout simplement vous déplacer en étant sur l'eau. Hop. Donc voilà. Maintenant, quand je suis dans l'eau, je vais me déplacer en étant sur l'eau. Donc il va falloir vous déplacer sur 500 mètres de distance. Donc regardez, on va dire, on va mettre un ping. On va mettre un ping ici. What? On va mettre un ping ici. Donc là, c'est 300 mètres. On va dire qu'on va le mettre là, voilà, je suis à 600 mètres. Donc j'ai juste à me rendre en suivant le cours d'eau, donc j'ai juste à suivre le cours d'eau jusqu'à Loot Lake pour terminer le défi. Après, je pense que vous l'aurez terminé largement avant, mais voilà, là, si je vais jusqu'à Loot Lake, j'aurai parcouru plus de 600 mètres et j'aurai terminé le défi. Bien entendu, pour vous déplacer plus rapidement, ce que je vous conseille, c'est de mettre un coup d'accélérateur à chaque fois, dès que vous pouvez le faire. Bah vous mettez un petit coup d'accélérateur pour vous déplacer beaucoup plus vite. Et dès que vous aurez voyagé 500 mètres dans une bulle mobile en étant sur l'eau, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'éliminer un joueur avec le premier coup d'un fusil à pompe à amorce. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un fusil à pompe à amorce. Donc les fusils à pompe à amorce, c'est tout simplement cette arme-là. Que vous voyez juste ici, donc hop, vous allez pouvoir les trouver un peu partout sur la map de Fortnite, imposés au sol comme ça, ou même dans des coffres. Mais vous pouvez aussi venir ici à Connect Crossworld, donc juste ici sur le gameplay. Et là, vous allez voir qu'il y a un personnage, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, Terreur des plages. Ce personnage là vous vend le fusil à pompe en question à amorce pour 100 lingots d'or. Donc si vous ne voulez pas vous prendre la tête et chercher le fusil à pompe, bah vous venez ici et vous lui achetez avec contre des lingots d'or. Alors quand vous avez votre fusil à pompe à amorce, il faut regarder sur votre arme. Quand vous visez, vous voyez la première cartouche est en orange, donc il va falloir éliminer un joueur avec le premier coup de ce fusil à pompe, donc la cartouche orange. Donc là regardez, la cartouche orange n'y est plus sur mon fusil. Donc là, c'est plus que des cartouches bleues. Si je veux récupérer la cartouche orange, il faut que je recharge mon arme au maximum pour pouvoir avoir une cartouche plus puissante. En fait, la cartouche orange, c'est une cartouche, une balle plus puissante. Donc voilà. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement éliminer un adversaire avec cette cartouche.
Il faut savoir que la cartouche, la première cartouche, comme elle est la plus puissante, elle fait de très gros dégâts. Regardez, je vais vous montrer. Boum, j'ai fait du 169 dans la tête. Donc c'est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir one-shot les adversaires avec cette arme s'ils ne sont pas full stuff. Full vie. Si jamais ils sont full vie, ce que vous faites, c'est que vous tirez dessus jusqu'à temps de voir que, hop, bah, il est en blanc. Hop, je lui remets même une dernière balle. Je viens avec mon fusil à charge, bien évidemment. Et avec la première balle, bah, je le finis. Ou sinon, ce que vous faites, c'est même sans switcher d'arme, c'est que vous voyez un adversaire, vous tirez dessus, ah, je vous l'avais pas tué, vous rechargez. Vous tirez dessus, ah, là, vous l'avez tué, et là, c'est bon, ça valide le défi. Donc, à chaque fois que vous allez tirer une balle, ce que vous faites pour être sûr de finir l'adversaire, c'est que vous rechargez pour que votre première balle soit la balle à amorce. Donc, voilà. Donc, bien entendu, ce défi, vous allez pouvoir le réaliser contre les adversaires, contre les loups, contre les requins et contre les bots de Star Wars. Donc, les soldats de Star Wars. Donc, voilà, dès que vous aurez éliminé une personne avec cette fameuse cartouche rouge à amorce, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de déposer le fusil d'assaut Hammer. Alors, le fusil d'assaut Hammer, c'est tout simplement cette arme-là que vous allez pouvoir trouver n'importe où sur la map de Fortnite et dans des coffres également. Donc, quand vous avez cette arme, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement la ramasser. Et ensuite, vous allez faire flèche du haut. Donc, vous allez aller dans votre sac à dos, donc dans votre inventaire, pour aller sur l'arme en question et appuyer sur carré pour jeter l'objet. Donc, vous appuyez sur la touche adéquate pour jeter l'objet. Et dès que vous aurez déposé le fusil d'assaut comme ça par terre, en le jetant de votre sac à dos, normalement, vous aurez terminé le défi. Après, vous pouvez aussi interchanger avec un objet. Donc, hop, j'ai mon fusil d'assaut Hammer dans mes mains. Normalement, si je prends l'objet, ça dépose l'arme fusil d'assaut Hammer en question. Donc, normalement, ça devrait fonctionner aussi si vous voulez valider le défi de cette façon. Mais je pense que, de toute façon, les deux façons que je vous ai présentées fonctionnent. Donc, soit comme ça, ou soit en échangeant un objet par terre. Donc, voilà, dès que vous aurez déposé le fusil d'assaut Hammer sur le sol, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de rebondir sur un matelas de chute, un champignon rebondisseur et des pneus tout terrain en une seule partie. Donc, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay, donc à côté de la cascade de la réalité. Donc, vous vous rendez juste ici. Voilà. Là, vous allez à l'arrière de la pompe à essence. Normalement, il y a des pneus. Voilà, regardez ici, il y a des pneus. Normalement, il y en a un peu partout, hein, des pneus. Mais, enfin, dans les pompes à essence, il y en a un peu plus, normalement. Là, je vois qu'il n'y a qu'un seul stack. Mais bon, il y en a quand même un, c'est le principal. De toute façon, je pense qu'il y sera tout le temps. Donc, vous venez ici, à l'arrière. Vous rebondissez sur ces pneus tout terrain. Hop. Dès que vous avez fait ça, vous allez directement vers le pont qui est là-bas. Donc là, il y a un pont. Il y aura un champignon rebondisseur. Donc là, vous aurez déjà sauté sur les pneus tout terrain. Ensuite, le champignon rebondisseur qui est juste ici. Voilà, vous sautez dessus. Et là, bien entendu, il vous faudra des matelas de chute. Donc si vous en avez trouvé, alors c'est parfait. Vous sortez le matelas dessus de chute et vous sautez dessus. Donc voilà, si maintenant vous n'avez pas trouvé de matelas de chute, je vais vous montrer une autre solution. Donc là, je vais vous montrer une deuxième solution parce que je sais que les matelas de chute sont pas toujours évidents à trouver. Donc j'ai une petite solution si vous voulez pas vous prendre la tête à trouver un matelas de chute. C'est tout simplement de lancer la partie. Dès que vous lancez la partie, vous allez directement juste ici, à cet emplacement-là. Vous allez chercher le bus de combat. Il faut vraiment être le premier pour arriver à le choper parce que sinon, c'est possible que quelqu'un d'autre le prenne à votre place. Donc là, je vais sauter à cet emplacement direct dès que je peux. Donc voilà, regardez, là j'arrive sur place. Il y a un bus. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le bus, hein, mais c'est pour être plus à l'abri. Il y a un bus, vous le prenez directement, hop, vous allez instantanément derrière la pompe à essence. Évidemment, essayez de ne pas faire tomber votre bus. Vous sautez sur les pneus tout terrain, ensuite vous reprenez votre bus. Voilà. En vrai, vaut mieux arrêter votre bus de combat juste en face de la pompe. Hein. Comme ça, vous ne vous prenez pas la tête comme moi j'ai fait.
Là, ensuite, vous sortez de votre bus, vous sautez sur le champignon juste ici. Voilà. Ensuite, vous reprenez votre bus. Et là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous diriger ici. Parce que là-bas, en fait, donc près du sanctuaire, juste ici. Parce que là-bas, en fait, il y a des pneus, des matelas de chute directement posés dans l'eau. Donc, vous aurez juste à les utiliser. Et là, vous aurez terminé le défi. Donc, il faut vraiment utiliser les trois choses en une seule partie. Donc, il faut utiliser les pneus tout-terrain, rebondir dessus, le champignon rebondisseur, rebondir dessus, et ensuite utiliser un matelas tout-terrain, un matelas de chute. Donc, le matelas de chute, si vous voulez pas vous galérez à le chercher, bah, vous prenez un véhicule comme je suis en train de le faire, soit le bus de combat en question, ou soit une voiture de course ou une voiture normale, et vous vous dirigez vers la plage près du sanctuaire pour sauter sur un matelas de chute, tout en étant dans la même partie, bien entendu. Donc là, c'est ce que je vais faire. Ok, donc voilà, j'arrive près du sanctuaire, là où il y a les matelas de chute. Donc regardez, ça, c'est des matelas de chute. Vous sautez dessus, et dès que vous aurez sauté dessus, ben là, normalement, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 10 de Fortnite saison 3 chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwapMimec et ciao. Peace.